Donc bonjour à toutes les quatre. Donc la question a déjà été bien dégrossie par les deux présentations précédentes. Là, on va rentrer un petit peu dans la pratique, c'est-à-dire on a vu qu'il était important pour un sol d'avoir de la matière organique. Comment on apporte de la matière organique dans les sols? Donc ce que je vous propose, c'est déjà de vous présenter les unes après les autres. Donc on va commencer par Anne, si tu veux bien. C'est mieux là. Donc bonjour à toutes et tous, Anne Blanchard, donc présidente cofondatrice de Sol Eco. Donc Sol Eco, c'est une entreprise qui est issue de l'Université de Lorraine que j'ai co-créée avec des associés suite à mon doctorat. Et donc au quotidien, on travaille sur les sols en milieu urbain et on réalise des diagnostics de qualité agronomique, pédologique et biologique des sols pour essayer d'améliorer leur considération dans les projets d'aménagement urbain et d'agriculture urbaine. Bonjour, donc moi je m'appelle Alix, j'ai rejoint les Alchimistes il y a un an. Les Alchimistes, c'est une entreprise qui fait de la collecte et du traitement de déchets alimentaires pour nourrir les sols agricoles. Et je m'occupe en particulier de la vente de compost et de l'animation du réseau. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Je me présente, je suis Aïfa Benamran, stagiaire dans le pôle R&D chez Upcycle, dans le cadre de mon stage de fin d'études. Donc Upcycle, qui est une entreprise engagée dans l'économie circulaire et qui travaille sur le compostage local. Oui, c'est un peu... Voilà. Donc Upcycle compte aujourd'hui 94 sites de compostage local répartis depuis 2019, répartis un peu sur le territoire français et un peu à l'international, comme au Portugal, en Italie et en Belgique. Donc la mission principale, c'est d'engager ou de rendre ses clients engagés dans la valorisation de leurs biodéchets et de réconcilier l'économie avec l'écologie. Est-ce que tu peux passer ? Merci. Donc, les solutions de compostage local se présentent sous trois catégories de produits. Donc, une solution pour trier, une solution pour collecter les biodéchets et surtout une solution pour composter. Et donc, on a un compostage local qui se présente sous deux catégories de produits, un compostage mécanique et un compostage électromécanique, avec des capacités d'apport journalières qui varient de 30 à 140 kg de biodéchets par jour. Et donc le concept du compostage local ou du fonctionnement de la machine, il est facile et efficace. Donc il faut juste savoir mettre la bonne recette en biodéchets en broyat de bois. La matière, elle est aérée et mélangée manuellement ou grâce à un moteur. Il y aura une montée de température sous l'action des bactéries thermophiles. Et au bout de 15 jours, on obtient un pré-compost hygiénisé qui doit être maturé pendant une période de 8 à 10 semaines pour avoir un compost de qualité qui peut être normé selon la norme NF04. 0,51 c'est ce qui constitue d'ailleurs l'objectif de mon travail chez Upcycle, c'est de savoir où se situe et d'évaluer la qualité des composts issus des composteurs électromécaniques par rapport à d'autres composts disponibles dans le marché. Et voilà. Oui. Alors, je suis Virginie Drouet de Est Ensemble, collectivité. Voilà, ça résume bien les choses. Un des 12 établissements publics territoriaux du Grand Paris. Donc, on est à l'est de Paris, 9 villes. C'est juste pour vous donner une idée. Après, quand je vais présenter nos dispositifs de compostage. De la typologie de notre territoire, 40 km², 435 000 habitants, donc extrêmement dense, avec 85% d'habitats collectifs, donc pas facile de mettre du compostage partagé dans de
dans ces conditions, et pourtant on y arrive plutôt bien. Et pour vous donner une idée, on a 207 000 tonnes de déchets qui sont donc incinérés, ont été incinérés en 2022. Quand on estime qu'on a un tiers de nos déchets qui sont composés de déchets alimentaires, voilà, ça vous laisse imaginer tout ce qu'on pourrait composter. Voilà, là c'est rapidement pour vous présenter le compostage chez Est Ensemble. On est 3 maîtres composteurs à temps plein, ce qui est plutôt rare dans une collectivité. Et on est aidé par ailleurs par des associations sur le territoire. Et on a 4 à 5 maîtres composteurs qui nous aident en plus, dont ceux de Sens de l'Humus qui sont présents aujourd'hui. On travaille à la fois sur le compostage individuel, mais on exige que les gens suivent une formation de 1h30, 2h avant qu'on leur donne leur matériel, puisque nous, le but principal, c'est que ce soit de la qualité et pas de massifier le compostage juste pour dire on a distribué des composteurs. On estime à 430 le nombre de sites partagés. On a 385 sites qui sont identifiés, dont 50 sites de quartier. Mais on estime qu'il y a à peu près 10% de sites qu'on ne connaît pas encore sur le territoire. C'est soit on n'a pas donné le matériel, c'est des gens qui compostent en andin, en tas, ou qui ont acheté leur propre matériel. Et on cherche à les identifier pour nous pouvoir les accompagner. On accompagne pendant 1 an chaque site partagé gratuitement. Et on revient les voir une fois par an pour s'assurer que tout se passe bien. On forme tout ça gratuitement, à la fois donc individuel et les référents de sites partagés. On exige 2 personnes formées sur chaque site. Et on crée à peu près, en rythme de croisière, 60 nouveaux sites partagés par an. Voilà, c'est nos objectifs en tout cas. Alors maintenant qu'on a fait... Tu voulais reprendre la parole, Alix ? Peut-être que je peux un peu détailler ce qu'on fait chez les alchimistes. Allez, je te remets les... Yes, parfait. Du coup, ça, on l'a un peu évoqué, mais donc le tonnage de biodéchets a changé avant... Enfin, en fait, la réglementation change avec la loi AGEC. Donc depuis 2016, donc, ceux qui étaient obligés de trier les déchets, les biodéchets à la source, c'est ceux qui en produisaient plus de 10 tonnes. Donc globalement, ça concernait surtout tous les acteurs de l'industrie agroalimentaire, la GMS et une partie des restaurateurs. Depuis cette année, janvier de cette année, maintenant, c'est les producteurs de 5 tonnes qui sont concernés. Donc ça concerne globalement tous les acteurs de la restauration, encore toute la GMS. Et à partir du coup de janvier 2024, tous les particuliers sont concernés. Donc les collectivités se doivent d'équiper chacun de leurs citoyens avec une solution de tri à la source. Et donc du coup, c'est dans ce contexte qu'on a tous du coup des solutions à échelle différente. Donc évidemment que l'idéal, c'est des composteurs partagés en local ou des composteurs individuels. Malheureusement, pour beaucoup de professionnels et pour par exemple, typiquement dans ces quartiers en ville où on a assez peu d'espace et où les citoyens sont peut-être moins enclins à faire le compostage eux-mêmes, nous, on a déployé une solution de compostage un peu semi-industriel. Donc on peut passer à la slide suivante, où l'objectif du coup c'est de collecter les déchets alimentaires en bac ou en benne à ordures ménagères. On est dans 13 agglomérations en France, donc le but c'est vraiment d'agir dans les aires urbaines denses, là où le composteur en propre est moins facile. Donc on va récupérer les déchets alimentaires. Déjà, il va y avoir un prix qui va être dépendant du tri réalisé à la source. Donc en fonction de la qualité de tri, on ne va pas avoir le même tri pour encourager les clients à bien trier à la source. Ensuite, on va avoir quand même un surtri à la main pour garantir un compost de qualité. Donc on va enlever les cartes de cantine qui peuvent rester, les bouts de plastique, etc. Ensuite, on va mélanger avec du broyat de bois, à peu près avec un demi de broyat de bois. Et ensuite, on va laisser maturer dans des baies où on va bien... Enfin, le but, c'est vraiment que le process soit bien optimisé pour qu'il y ait une vraie oxygénation qui se fasse et qu'il n'y ait pas de méthane qui soit dégagé. Et donc ça va être des retournements réguliers. Donc toutes les semaines, à peu près, on va changer de baie. Donc c'est des grands andins pour arriver, en gros, au bout de 8 à 10 semaines, avec un compost qui est prêt. Après, le compost, en général, qu'on va ensacher, on va même attendre qu'il ait entre 6 mois et 1 an pour qu'il soit vraiment sec et complètement stable. Et ensuite, dans les débouchés de notre compost, on va en vendre une partie aux agriculteurs maraîchers, une partie en agriculture urbaine. Ça, c'est, pour nous, c'est un peu la meilleure cible parce que c'est au plus local par rapport aux gisements et à nos plateformes qui sont en général en périphérie des villes. Et ensuite, une petite partie, toute petite partie en retail, notamment chez Bricorama, Leroy Merlin, Biocoop, etc. Voilà.
Alors justement, on voit que y a différentes sources de biodéchets. Quelle est la différence? Quels sont les différents types de compost? Quelles sont les différentes techniques de compost? Ça, on l'a touché du doigt. Et quel est l'impact de ces différents types de compost sur la fertilité des sols? Beaucoup de questions. Je vous laisse vous passer les micros pour répondre conjointement. Nous, c'est du compostage, donc on n'est pas sur du fumé industriel, c'est ce qu'on appelle la PGPROX, prévention et gestion de proximité des biodéchets, mis en place par le réseau Compost Citoyen. C'est donc des techniques, là vraiment, ce qu'on appelle low-tech, nous, tout se fait avec nos petits bras. Pour les individuels, on va les former justement à la technique, c'est-à-dire, comme le disait Alix, bien mélangé, bien aéré. Il ne faut pas que ce compost, enfin ces bacs se transforment en pourrissoir avec on met juste ses déchets et on n'y touche plus, on ne regarde plus, on ne veut même pas savoir ce qui se passe. L'idée, c'est, on leur explique, c'est de mettre donc, de la matière sèche, un peu de nerf de la guerre, la matière sèche. Nous, on en achète 200 mètres cubes, c'est ensemble, qu'on met sur le territoire en 20 fois, sur plusieurs endroits, à disposition des habitants. Donc ça c'est pour les individuels, les sites partagés ils sont formés, on a donc deux personnes formées pour bien mélanger, et sites de quartier, là c'est un gros travail, on a des cellules parfois qui atteignent 1000 mètres cubes, des gros sites, au Lila, j'avais une photo tout à l'heure, on a un pavillon de compostage, donc là on a vraiment, c'est du travail assez important, on y va à la fourche. Nous, dans ce qu'on met dans le compost, nous, sur le territoire d'Est-Ensemble, on a pris le parti pris de dire qu'on peut tout mettre dans un compost. C'est-à-dire que, alors, on oublie les exceptions agrumes, qui sont des légendes urbaines. On peut bien sûr mettre de l'agrume dans le compost, oignons, ail. Et nous, on va jusqu'à dire, vous pouvez mettre la viande, vous pouvez mettre le poisson, vous pouvez mettre les arêtes, vous pouvez mettre les noyaux. On peut tout mettre dans un compost. Simplement, il faut s'en occuper. Il faut l'aérer, il faut régulièrement aller s'occuper de son compost. Mais on a aussi décidé, on a pris ce parti pris pour, dans la perspective du 1er janvier, où nous, on va avoir aussi la solution de collecte. On va être aussi collecté puisqu'on est dans un milieu urbain très dense. Ça va partir en méthanisation. Là, on peut tout mettre. Mais pour ne pas créer de confusion, on a dit qu'on pourra mettre la même chose dans le compost et dans la méthanisation. Simplement, chaque site partagé décide de mettre ce qu'il veut dans son compost. Moi-même, j'habite dans Paris, j'ai un compost partagé. J'ai dit pas de viande, pas de poisson, parce que c'est une toute petite copropriété. Voilà. On ne sait jamais si ça sentait mauvais, mais fondamentalement, on peut tout mettre dans un compost. Je voulais juste répondre à ta question par rapport à la source, les différentes sources de matière qu'on peut composter. Donc, on part toujours des déchets organiques. Et on a trois types de déchets organiques ou de trois origines. On a les déchets organiques d'origine industrielle, comme les effluents industriels, des industries agroalimentaires ou autres. On a les déchets d'origine urbaine. Et on peut trouver les boues d'épuration ou les déchets alimentaires et les déchets verts. Donc on a vraiment un très large choix de matières à composter. Et c'est surtout la qualité des composts, elle varie vraiment d'une source à une autre. Donc elles diffèrent d'une source à une autre et ça dépend de chaque teneur de cette matière en éléments fertilisants. Pour répondre à la deuxième partie de la question sur l'impact et en tout cas les bénéfices de l'apport d'un compost sur un sol, comme on l'a dit ce matin, on l'a redit en début d'après-midi, un sol c'est finalement un processus qui est en perpétuelle évolution et cette notion de qualité, elle renvoie finalement à un équilibre qui est atteint entre les composantes biotiques et abiotiques, entre les caractéristiques physiques, chimiques et biologiques des sols. Pour un compost, c'est la même chose, j'ai envie de dire, il faudrait effectivement atteindre un équilibre. On vient de le dire, il y a différentes sources d'apport pour constituer un compost. L'intérêt est en fait de
qualifier, au même titre qu'on qualifie un sol, et de qualifier effectivement un compost pour voir quel intérêt et quel bénéfice il pourrait avoir sur un sol en place. Et donc nous, on dit souvent aussi qualifions le compost, mais qualifions aussi le sol, parce qu'on a des fois des sols qui n'ont pas forcément besoin d'avoir un apport de matière organique supplémentaire. On parlait tout à l'heure de la fin d'azote. Voilà, ça peut être, on va dire, contre-bénéfique pour justement cet équilibre du sol que d'apporter certains types de compost ou d'apporter du compost tout simplement. Donc voilà, qualifions le compost, qualifions le sol en place, essayons de voir si ça a un intérêt, essayons de voir s'il y a une adéquation. Et à partir de là, on est sur des bénéfices. Alors dans les plus grands bénéfices apportés, que peut apporter un compost au niveau d'un sol, on est effectivement sur une amélioration de la structure avec tout ce qui est le processus d'humification, tout ce qui va être rétention de l'eau aussi. On a effectivement certains projets qui ont pu montrer qu'on avait une amélioration de la rétention avec cet apport de compost. Et puis, j'ai aussi envie de dire, je reviens sur l'aspect qualification des composts, c'est qu'on a beau apporter de la matière organique ou de la matière à décomposer, s'il n'y a pas les animaux, les organismes dans les sols pour faire ce processus de décomposition, ça ne marchera pas. Donc voilà, c'est aussi l'intérêt d'avoir une caractérisation de la biodiversité et des communautés biologiques qui vivent dans ces sols, et pour s'assurer effectivement que la matière organique qui sera apportée sera effectivement bien décomposée. Alors justement, qu'est-ce qui se passe dans le processus entre le biodéchet et ce qu'on appelle un compost ? Le compost, je vais vous donner une petite définition du compost qui va tout expliquer. Donc, en gros, le compost, c'est le résultat d'un processus biologique mettant en jeu des micro-organismes qui vont transformer, en présence d'oxygène surtout, qui vont transformer les biodéchets en une matière bénéfique pour la croissance des plantes et aussi pour la vie des sols. Et donc ce produit, il est hygiénisé, stabilisé et qui est semblable à un terreau et qui est riche en composés humiques et minéraux. Donc, Vous parliez de matière carbonée aussi nécessaire pour faire un compost. Donc tu disais que la matière carbonée, vous la faisiez venir. Nous, on achète du broyat des élagueurs, donc du territoire, donc c'est local. On conseille aux habitants de stocker les feuilles mortes à l'automne. Après, les feuilles mortes, ça tasse un peu. L'avantage du broyat, c'est que ça aère aussi le compost. Ça permet de bien aérer, de le structurer. Et puis, on a aussi des expérimentations. Alors nous, elles ne sont pas faites sur notre territoire, sur pleine commune, un autre territoire, un autre établissement public territorial. Ils ont testé la cagette, le broyat de cagette. Voilà. Pourquoi pas ? Je crois que les alchimistes, vous testez les palettes, hein, c'est ça, Stein, on dit, j'étais allée. Oui, nous, en fait, on a 13 territoires sur lesquels on est présent avec, du coup, plusieurs plateformes qui testent différents. Enfin, le but, c'est évidemment de se tester, enfin, de se fournir au plus local. Donc, d'une région à l'autre, on ne va pas du tout avoir forcément les mêmes matières carbonées disponibles. Effectivement, on utilise pas mal de broyats de palettes. Nous, c'est ce qui nous paraît le plus propre. Et c'est ce qui nous permet du coup d'avoir le moins de plastique à l'issue, alors que quand on travaille avec des paysagistes, etc., parfois on peut avoir un peu plus de plastique de reste. Donc ça, du coup, ça dépend d'une région à l'autre. Mais en tout cas, c'est sûr que le choix du broyat est hyper important dans la qualité du compost final. Et donc, rapport Cessurène, les plastiques, on a commencé à en parler. Qu'est-ce qui fait un bon compost, un compost de qualité ? Et on a abordé aussi ce matin la question de est-ce qu'un compost n'apporte pas aussi n'est pas source de contamination pour les sols. Quelles sont vos réflexions là-dessus ?
Alors, sur un compost de qualité, pour nous, la réflexion, c'est effectivement celle qui a été donnée tout à l'heure. C'est une question d'équilibre. Au même titre qu'un sol de bonne qualité, c'est effectivement un sol où on a un équilibre entre les différentes composantes. Alors, il y a quand même des ordres de grandeur. Il y a notamment le projet de recherche potager, dont vous retrouverez le rapport final en libre accès sur Internet, qui donne effectivement des éléments de grandeur sur ces rapports Cessurène, sur la capacité d'échange cationique, sur l'humidité d'un sol, enfin, de différents composts, pardon, qui ont pu être qualifiés. Globalement, c'est ce qu'on disait, un rapport Cessurène compris entre 8 et 12, une humidité aux alentours de 50%. Voilà, ce sont effectivement des grands ordres de grandeur qu'on peut donner sur des composts de qualité. Mais encore une fois, au même titre qu'un sol de bonne qualité, ça ne veut pas forcément dire grand-chose parce que tout dépend en fait de l'usage qu'on vient y mettre dessus. Un compost de bonne qualité, qu'est-ce qu'on veut dire par là, quoi ? C'est quoi ? C'est pourquoi bonne qualité, mauvaise qualité ? Tout l'enjeu, c'est de repartir de là et de l'usage et de ce qu'on veut en faire. Et effectivement, après, on parlait effectivement de la pollution ce matin. On peut avoir des sources de pollution dans certains composts. Tout dépend de ce qu'on a apporté pour créer ce compost. Donc là aussi, l'intérêt de qualifier avant un apport sur des sols en place pour être sûr qu'on ne vient pas déplacer une source de pollution ou polluer un sol qui n'était pas au préalable. On peut aussi définir un mauvais compost. Donc on peut voir l'innocuité homme-environnement. On a trois paramètres aussi à voir dans un compost, dans la qualité d'un compost, qui est les inertes et les indésirables, comme les plastiques, les verres, les métaux et tout. On a aussi pas mal parlé ce matin les ETM et les CTO. Éléments traces métalliques. Oui, éléments traces métalliques et composés traces organiques. Mais ça, on en trouve beaucoup plus. Ça pose beaucoup de problèmes, surtout pour les composts des stations, des bouts d'éparation et des composts de déchets verts. Et le troisième paramètre, qui est les critères sanitaires ou les agents pathogènes, qui sont aussi qui reflètent aussi l'évaluation de l'hygiénisation du compost et de voir si on a bien hygiénisé notre compost ou pas, qu'il est sain ou pas pour la santé de l'homme. Et donc ces différents critères, ils sont encadrés par des normes. Donc nous, les normes dont on parlait tout à l'heure, c'est la norme NFU 4451, qui pour l'instant est vue comme assez laxiste, assez facile à atteindre. Et donc il y a un nouveau label, donc le label ASCA, qui est en train d'être mis en place, dont on va peut-être parler, justement, qui est un peu plus exigeant. Sur la question du bio, c'est une question qui nous est aussi souvent posée. Il y a des seuils qui sont un peu plus exigeants, et notamment aussi sur ce qu'on a le droit de mettre comme biodéchets, par exemple, tout ce qui est issu d'élevage industriel, de poules, c'est avec des seuils de nombre de têtes, etc., c'est assez niche. Ben, ça, du coup, ce n'est pas considéré comme utilisable en agriculture biologique. Et la norme NFU 4451 évolue petit à petit vers une nouvelle réglementation qui s'appellera socle commun avec plusieurs seuils. Et du coup, on espère sera peut-être un peu plus exigeante et donc nous permettra qu'il y ait aussi moins de peur de la part du monde agricole, etc., sur les composts qui sont parfois pas aussi qualitatifs qu'on aimerait. Je voulais revenir sur les composts. Alors, quand on travaille avec des citoyens, comment on les sensibilise à ne pas mettre de métal, ne pas mettre... Enfin, comment on fait ? En fait, on est plus réactifs que proactifs parce qu'on a énormément de demandes. Donc, ce sont des gens qui sont déjà convaincus. On s'adresse à des gens... Enfin, les gens qui veulent composter, nous, sur le territoire d'Est Ensemble, c'est des gens qui sont très motivés. Donc, on n'a pratiquement pas de plastique ou de sur nos sites. Les sites de quartier, on pourrait penser que les apports se font en continu, ils sont sur permanence, donc les gens ne viennent que une fois par semaine, et là donc c'est l'occasion de surveiller ce qui est mis dans le compost. C'est contraignant pour certains, mais en fait il y a aussi cette dimension sociale, c'est-à-dire on vient le samedi de 11h30 à 12h30, on fait son marché, on amène son compost, et puis on discute avec le bénévole qui est là. Voilà, il y a vraiment cette dimension sociale aussi dans le compost, pas trop de rapport avec le retour au sol, mais voilà, il y a vraiment cette dimension. On a vraiment très très peu d'indésirables, nous, dans les composts. Alors on a ces petites étiquettes là, fruits et légumes, qui sont toujours là, les élastiques,
franchement, c'est anecdotique voilà, par rapport à ce qu'on pourrait trouver, ce qu'on pourrait trouver si on avait des composts qui étaient ouverts en permanence. Et donc sur l'hygiénisation, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus comment ça se passe et comment on arrive à un compost mature et normé qu'on peut commercialiser du coup, c'est ça? C'est une montée en température. Alors, l'hygiénisation, c'est la montée en température à 70 degrés. Et donc, c'est une fois qu'on a atteint ce seuil-là, qu'on estime que tous les éléments pathogènes, donc, ce dont on parlait tout à l'heure au niveau sanitaire, donc les Escherichia coli, etc., qui peuvent avoir des risques importants pour l'humain, on estime qu'ils sont complètement éliminés et que même sous réoxygénation, etc., il n'y a pas de chance qu'ils se redéveloppent. Et donc, à partir de ce moment-là, le compost est hygiénisé. Ensuite, il va baisser en température. Et une fois qu'il est complètement refroidi, là, on estime qu'il n'y a plus de ces éléments pathogènes qui peuvent être nuisibles. Juste pour nous, on va être réaliste et complètement honnête sur les sites. Sur les petits sites, les individuels, on n'atteindra jamais un 70 degrés. Ils atteignent gentiment 40 degrés, c'est déjà super. Et sur les sites de quartier, là, on peut atteindre du 70-80 degrés. Après, nous, on estime qu'un compost, il est jeune à 6 mois. Et on dit aux gens qu'il est mature à 9 mois, à 12 mois. Quand on fait du compost de proximité, voilà, on est obligé d'attendre tout ce temps-là pour qu'il soit mûr. J'ai perdu mon truc. Oui. Et donc, en termes de normalisation des composts, c'est une réglementation à quel niveau ? Est-ce qu'on a le droit de tout mettre dans les composts ? Je pense par exemple aux toilettes sèches. Bon, on a parlé de toutes les sortes de biodéchets, etc. Mais j'imagine qu'il y a plein d'enjeux sanitaires par rapport à la matière première des composts. Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus ? Là-dessus, les seuils ils sont estimés avec des catégories donc, de sous-produits animaux. Donc, nous, par exemple, sur le bâton de compostage qui rentre dans la norme NFU 44-51 et avec notre agrément sanitaire, c'est tout ce qui est jusqu'à SPAN 3. Donc, globalement, c'est tous les déchets alimentaires, etc. Mais en revanche, tout ce qui va concerner les déchets d'abattoir ou de boucherie, donc par exemple de la cervelle, etc., ça va être considéré comme SPAN 2. Et donc, nous, on n'est pas capable de le traiter en propre. Donc, il y a des seuils à respecter. Donc, globalement, sur les déchets de table, on accepte tout. Enfin, même si on a mangé de la cervelle, enfin, ça, il n'y a aucun problème. Mais sur les sujets industriels, il va y avoir des seuils un peu plus compliqués. Et l'autre réglementation qui va être complexe sur ça, c'est le bio dont je parlais avec justement les déchets en provenance d'élevage industriel. Et sur le label ASCA dont on parlait tout à l'heure, Il y a aussi un label ASCA qui est un peu plus exigeant. Il n'est pas obligatoire, pas comme la norme. Parce que la norme, si on produit du compost et qu'on veut le vendre, mettre sur le marché ou même le donner, tu ne peux pas le faire si tu n'as pas respecté, tes analyses ne sont pas conformes à la norme. Par contre, le label ASCA, c'est plutôt une certification de plateforme des plateformes. Donc, c'est une marque collective pour les plateformes de compostage. Publics ou privés qui sont engagés dans la valorisation des biodéchets ou des matières organiques triées à la ressource. Donc c'est la différence dans ce cas, c'est que le label il est un peu plus exigeant surtout sur les critères ou les seuils pour les ETM, CTO et il y a une autre exigence. Et c'est dans la fréquence des analyses en routine qu'on fait pour nos composts. Donc c'est un peu différent. Et le label ASCA, il permet aussi de certifier, du coup, pas seulement la qualité du produit qui est le compost, mais aussi toute la plateforme, le processus, le management, le management de tout le processus de toute la plateforme. Donc,
Et qui sont les acteurs qui permettent d'accompagner dans tous ces processus, qui fixent les réglementations? C'est quoi l'écosystème un petit peu du compostage? Pour ce qui concerne la prévention et la gestion donc de proximité, c'est le RCC, Réseau Compost Citoyen. C'est 860 membres, dont 20% qui sont des collectivités, 35% d'entreprises et le reste, c'est des particuliers qui sont adhérents. C'est un réseau donc qui a mis en place le référentiel de formation avec l'ADEME, donc les référents de sites, guide composteur, maître composteur. Ils se réunissent régulièrement, ils sont actuellement en train de se réunir. Il y a 10 réseaux régionaux, ils sont en ce moment, les 10 réseaux régionaux sont réunis en ce moment pour toujours faire avancer donc, la pratique du compostage de proximité, qui met en avant donc, le retour au sol, bien sûr, le low-tech, puisqu'on utilise très très peu de technologies énergivores, réduire l'empreinte carbone, hein, très peu de, on transporte très peu de choses, c'est très très local, tout est géré localement, on n'a même pas le droit donc, de transporter ce compost, sauf si on le normait. Nous, Est Ensemble, on ne norme pas du tout notre compost, on fait des analyses de temps en temps, comme on n'a pas vocation à le vendre ou à le transporter, il n'est pas normé. Voilà, pour en tout cas le compostage de proximité, il est régi par le RCC, enfin encadré par le RCC. Et sur le compostage semi-industriel, donc il y a un agrément sanitaire à obtenir. Et ça, on se rend compte que c'est assez complexe. Enfin, nous, les nouveaux entrepreneurs qui veulent se lancer dans le réseau alchimiste, on a une équipe qui s'appelle l'équipe SEV, donc qui va nourrir les différentes branches du réseau, qui va être une équipe technique au service de ces nouvelles régions. Et donc on va faire ce qu'on appelle une assistance à la maîtrise d'ouvrage. Et donc, notre équipe technique va travailler pendant quelques mois sur l'ouverture de ce nouveau site, aider à monter le dossier qui est souvent assez complexe, bien comprendre les exigences de l'inspecteur, etc. Et ça, on se rend compte que c'est une expertise qu'on a eue petit à petit, mais pour un nouvel acteur qui veut monter un site de compostage semi-industriel sur son territoire, c'est assez complexe. Et donc, on essaie d'être au courant des nouvelles normes, etc. là-dessus, mais c'est pas évident. Et parfois, on va aussi aller du coup faire des missions pour l'extérieur, externe. Donc, par exemple, une collectivité qui veut voir à quel point est-ce que c'est faisable de créer une plateforme de compostage. Donc, on va les aider à les accompagner, à évaluer le gisement et à évaluer l'assistance à la maîtrise d'ouvrage qu'on pourrait faire ensuite sur la création de la plateforme. Et donc, une fois qu'on a obtenu nos composts de super qualité, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on les remet au sol, ou est-ce qu'il y a d'autres destinations au compost qu'on crée? Alors, Est Ensemble, donc je l'ai dit, tout est réutilisé localement. Les particuliers l'utilisent dans leur jardin. Les sites partagés, donc on a les pieds d'immeubles. On s'assure qu'il va y avoir un exutoire quand on installe un site de compostage, c'est-à-dire qu'une copropriété qui n'aurait que du béton, il y aura peu d'exutoires, donc on va hésiter à installer. Après, donc, tout est utilisé sur place. La production n'est pas assez importante pour qu'il y ait de surplus. Nous, sur le territoire d'Est Ensemble, on n'a pas trop de compost. Jardins partagés, ils vont l'utiliser dans leur jardin. Et puis, les sites de quartier, ils redonnent aux participants. Un site de quartier peut y avoir jusqu'à 150 personnes qui participent. Donc, je peux vous dire que le compost, il disparaît vite. Et puis, c'est distribué aux jardins partagés avoisinants. Il y a même eu une fois du vol de compost. Ça existe. Du vol de compost, ils étaient le site de quartier était très surpris un lundi matin à découvrir que le compost avait disparu. Après, il y a des expérimentations. Yann en a parlé tout à l'heure au Lab 3S, avec du compost qui a été utilisé. Alors, en l'occurrence, ce n'était pas le nôtre, mais on a à Bondy, toujours. La ville de Bondy fait des tests sur les massifs floraux de la ville. Ils prennent le peu de surplus de compost d'un quartier, ils le mettent sur des massifs. On est super content que la ville utilise le compost produit par les habitants.
et ils vont faire des thèses de un massif avec compost et un massif sans compost. Donc il va y avoir des études de fait à Bondy, on est super contents. On a le jardin du cœur de Montreuil, c'est les restos du cœur, c'est 3000 m², c'est un jardin d'insertion. Ils font du jardinage en hors sol, ils ont recréé des sols pour le coup avec du compost qu'ils produisent eux-mêmes. Donc c'est sur 3000 m², ils produisent 3 tonnes de fruits et légumes par an. Voilà, donc ça c'est un bel exemple d'usage du compost fabriqué sur le territoire. Puis on a la cité maraîchère aussi à Romainville, pour ceux qui connaissent peut-être, c'est une tour de verre, donc c'est une serre, ils ont un site de compostage, ils utilisent aussi donc, ce compost pour leur production. Nous, concernant notre compost, j'en ai parlé tout à l'heure, mais donc l'immense partie, donc 97%, va vers des maraîchers en ceinture urbaine, enfin dans les ceintures maraîchères, là où ça existe. À Toulon, par exemple, on va beaucoup aller vers des viticulteurs. Enfin, ça dépend aussi beaucoup du terreau local. Et sinon, on va aussi travailler en agriculture urbaine avec aussi avec la cité maraîchère. Avec la commune de Stein, où on est implanté, aussi avec les jardins du château de Saint-Ouen, Pépin Production, tout près aussi de notre site de Pantin. Le but, c'est de chercher des solutions au plus local. Et il y a aussi tout l'enjeu du criblage. Ça, c'est un sujet qui est assez compliqué pour les centres de compostage, parce que souvent, on va avoir besoin de compost criblé 10 mm. Donc le but, c'est aussi de réaliser le compost en propre pour ensuite pouvoir l'utiliser, le criblage en propre pour pouvoir ensuite écouler notre compost au plus local possible. Et parfois, il faut qu'on fasse un peu transporter le compost pour le cribler, donc ça pose un peu aussi des questions qu'on a dans différentes villes. Et du coup, nous, chez Sol Eco, c'est vrai que des fois, donc, quand on fait des diagnostics, notamment sur des contextes de renaturation ou restauration de sol, on peut préconiser un apport de compost, notamment quand on sait que la collectivité peut être engagée sur la démarche et a une disposition, enfin, a une source au niveau local. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, on adapte toujours cet apport au futur usage qui est décidé sur le site d'étude. Et donc, souvent, nous, je sais que dans nos dernières préconisations, sur nos derniers terrain d'études, on préconisait pas un apport pur de compost, mais toujours un mélange compost et avec un peu aussi matière minérale, sable, etc. pour essayer d'équilibrer un peu tout ça et que ce soit effectivement compatible avec le futur usage sur le site de projet. Et justement, Anne, comment ça se passe quand un propriétaire foncier vous appelle et vous dit j'ai envie de remettre ce terrain en vocation productive? Qu'est-ce que vous faites comme analyse? Quelle est votre expertise pour arriver à des diagnostics et à proposer des solutions à ce propriétaire? Alors les analyses, c'est de façon très simple finalement un diagnostic agropédologique. Donc on va regarder notamment les caractéristiques physiques et chimiques du sol. Donc description de profil de sol sur site, donc là où on va relever tout ce qui est profondeur, le nombre d'horizons, l'épaisseur de chaque horizon, la couleur des sols associés, etc. Ensuite on prélève des échantillons qu'on analyse en laboratoire pour déterminer plutôt les caractéristiques chimiques. Donc on va être plutôt sur le pH, la CEC, le taux de carbone, le taux d'azote, les éléments nutritifs, etc. Si on est dans un contexte où il y a effectivement source de pollution potentielle ou si en tout cas l'usage amène un risque, on va effectivement se servir des mêmes échantillons, mais pour cette fois-ci des analyses plutôt sanitaires. Donc il y a la pollution, donc tout ce qu'on disait ce matin, les ETM, les HAP, etc. Et nous, on ajoute aussi le diagnostic biologique. Donc on fait des inventaires de biodiversité des sols, notamment tout ce qui est macrofaune et mésofaune, donc les plus gros organismes que vous voyez à l'œil nu, parce qu'on sait qu'ils ont un rôle effectivement très important dans la dégradation de la matière organique. Et à partir de là, on fournit des préconisations et des recommandations de gestion des sols, toujours adaptées à l'usage qui évolue. Nous, on questionne toujours le promoteur ou la collectivité sur « mais qu'est-ce que vous voulez en faire de ce sol ?» Et donc, on arrive à conclure si oui ou non le sol est compatible avec l'usage qui est souhaité. Et s'il n'est pas compatible, comment on peut effectivement essayer de le travailler tout en essayant de le conserver sur site pour éviter tout ce qui va être apport de terre végétale et les enjeux et les contraintes que ça amène derrière. Et donc souvent, on préconise effectivement, soit ça peut être du paillage, apport de compost, etc. Notamment quand on a des usages végétalisés ensuite. Et alors, je continue avec ma mise en situation. La loi AGEC, on va devoir l'appliquer au 1er janvier prochain, obligatoire pour tout le monde. Qu'est-ce que
une collectivité qui n'a rien commencé à faire. Par où faut commencer? Et qu'est-ce qu'on préconise? Plutôt du compostage de quartier, plutôt du compostage semi-industriel? Dans quel cas on va préconiser telle ou telle solution? Alors, pour le compostage, ça va être difficile en 6 mois d'être efficace, hein, on va pas se mentir. En milieu urbain, on a conscience qu'il y aura de la collecte, on est obligé, c'est inévitable. Le compostage de quartier a l'avantage à cette dimension sociale qui est très intéressante. C'est juste des montages qui sont peut-être un tout petit peu plus compliqués que quand on s'occupe juste des particuliers. Les sites partagés dans les copropriétés, c'est pas très compliqué. Et ça, c'est assez facile à mettre en place. Il faut juste se faire aider. Adhérer au RCC pour les collectivités, c'est quand même une bonne solution. Ça permet d'avoir les clés de la réussite. Se céder de tout le tissu associatif qui est déjà en place sur le territoire pour développer toutes ces solutions. Ils sont plus avancés que certaines collectivités. Moi j'ai envie de dire aux collectivités, privilégier des solutions plutôt semi-industrielles que industrielles. Je ne vais pas vous cacher que la méthanisation n'est pas pour moi la solution la plus vertueuse. Il y en aura, mais voilà, si on pouvait faire plus de compostage semi-industriel que de méthanisation, je crois que nos sols en seraient ravis et l'environnement en serait ravi aussi. Pas de complément. Mais justement, pour mettre en place du compostage semi-industriel, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut s'équiper, faut se former, comment on fait? Il y a plusieurs manières d'organiser la collecte. Soit on va avoir des points d'apport volontaires, donc c'est un peu comme pour le verre. Alors à Paris, a priori, il y en aura surtout au niveau des marchés, il y en a déjà au niveau de tous les marchés et des écoles. Donc là, l'objectif, c'est que chacun amène donc son petit sac de biodéchets au point d'apport volontaire. Et après, les autres solutions, sinon, ça peut être un nouveau bac en bas de l'immeuble, mais par exemple, à Paris, ça peut être un peu complexe parce qu'on va avoir des cours assez étroites. Mais ça dépend des différentes villes. Globalement, ce qui se passe, c'est un gros appel d'offres qui va être mené par la collectivité et auquel du coup vont répondre plusieurs acteurs du biodéchet ensemble. Donc ça peut être souvent, ça va être des mix entre un Suez, un Veolia, les alchimistes, etc. Et ensuite, ceux qui gagnent l'appel d'offres vont du coup porter le marché pendant une durée déterminée. Souvent, c'est des phases d'expérimentation de 2 ou 3 ans. Et ensuite, donc ça tourne à chaque fois. Voilà. Tu parlais, Virginie, de la méthanisation. Quels sont les enjeux? Enfin, la question s'adresse à toutes. Hein. Quels sont les enjeux? Quel est le coût pour une collectivité de partir plutôt sur du compostage ou plutôt sur de la méthanisation? Et qu'est-ce qui peut définir le choix qui est réalisé? Je vais pas m'aventurer sur les coûts. Voilà, ça coûte très très cher, on va pas se mentir. Hein, la gestion des déchets Est Ensemble, c'est le pôle le plus important au niveau du budget. Méthanisation, c'est vraiment ce que tout le monde connaît, la méthanisation, c'est des camions en plus. Alors en plus en Île-de-France, ça part loin parce qu'on n'a pas de méthaniseur proche autour de Paris en tout cas. Ce qui concerne Paris, on n'a pas de méthaniseur à côté. Il y en a un qui est en construction à Gennevilliers. Il y a le problème des capacités des méthaniseurs. On les construit pour recevoir 50 000 tonnes par an et puis finalement on n'en a que 20 000. Alors il faut l'alimenter hein, pour que ce soit rentable. Donc on a aussi ce problème-là. C'est un mélange de déchets alimentaires, de déchets agricoles. Parfois c'est pas assez alimenté. On va produire. On utilise des terres agricoles pour produire des cultures pour alimenter le méthaniseur. Voilà. C'est ce qui s'est passé en Allemagne. Ils ont fait beaucoup de méthaniseurs et puis ils n'avaient pas assez de matière pour que ce soit rentable. Alors oui, on produit du gaz, on produit de l'électricité. C'est juste ce ratio qu'il faut faire entre l'énergie dont on a besoin pour construire ces infrastructures et l'énergie qui en ressort. Voilà. Ceci étant dit, la méthanisation, faut pas faire un trait dessus, c'est juste qu'il faut à long terme évaluer nos besoins réels
pour pas construire à tout va et se retrouver avec des méthaniseurs qui seront surévalués. Après, il y a aussi le problème du gaspillage alimentaire, hein, au niveau de l'alimentation. C'est énorme. Enfin, moi, j'ai eu la chance de... Je dis la chance parce que je suis allée dans un déconditionneur de Veolia. Je ne sais pas s'il y a des gens de Veolia. À Villeneuve-Saint-Georges, les restes, enfin, les déchets alimentaires, entre guillemets, des grandes surfaces, c'est juste impressionnant, quoi. C'est, tout est emballé, en plus. Donc, voilà. Allez faire un tour, c'est, on peut visiter. Hein, c'est, Villeneuve-Saint-Georges, ça se visite. C'est très, très impressionnant et ça part après en méthanisation. Voilà. Donc, gaspillage alimentaire est aussi un gros sujet qui va avec le compostage. Un complément là-dessus, une autre manière de voir et de regarder qu'est-ce qui doit être composté, qu'est-ce qui doit être méthanisé, ça peut aussi être le pouvoir méthanogène. En fait, tous les biodéchets n'ont pas le même pouvoir méthanogène et notamment... ce qui va être très bien partir en méthanisation, c'est tout ce qui va être les huiles, les corps gras, etc. Donc beaucoup, tout ce qui sort des industries agroalimentaires. Et ça, nous, on ne sait pas les composter, donc ça nous arrange très bien qu'ils partent. En fait, il n'y a pas d'autre manière de les valoriser, quoi. En revanche, les déchets alimentaires, ce n'est pas un très gros pouvoir méthanogène. Il y a plein d'eau, il n'y a pas assez de sucre, pas assez de gras. Notre vision chez les alchimistes, c'est de se dire que c'est des solutions complémentaires, mais que la méthanisation va être peut-être plus adaptée à des déchets avec des forts pouvoirs méthanogènes. Donc, il va aussi aller avec les restes agricoles, des tourteaux, etc., qui peuvent rester, donc on ne sait pas trop comment valoriser ailleurs. Mais qu'en revanche, si on veut nourrir les sols agricoles, on a besoin des restes alimentaires pour en faire du compost. Après, là non plus, je ne vais pas m'aventurer sur l'analyse du digestat de méthanisation, mais les études sont assez faibles, elles sont faibles, il n'y en a pas beaucoup d'analyses sur ce digestat de méthaniseur. Quelle est sa qualité pour les sols, c'est assez flou. Voilà. Et je reviens sur cette visite que j'ai faite chez Veolia, ce déconditionneur. J'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de plastique quand même dans ce digestat. Voilà. Enfin, c'est des microparticules. On n'a jamais réussi à obtenir un pourcentage de plastique qui reste dans ce digestat à la fin et qui est donc épandu sur les sols. Le compost, alors c'est à une toute petite échelle. Mais évidemment, on n'a pas assez de compost pour alimenter toutes les terres agricoles de France. Mais en tout cas, localement, la qualité du compost est quand même meilleure en tout point. Enfin, au niveau des polluants, on n'a pas tous ces plastiques, quoi. Oui, pour compléter, c'est vrai qu'au niveau de la qualité du digestat suite méthanisation, il y a quand même quelques articles scientifiques qui commencent à sortir avec des expérimentations qui ont été menées. Et notamment, je crois que c'est les collègues de Dijon qui ont sorti une étude sur l'impact des digestats suite méthanisation sur la qualité biologique de certains sols. Donc voilà, ça peut être intéressant aussi à aller regarder. Avec la généralisation du traitement des biodéchets, comment on fait pour passer à l'échelle et quels sont les retours des agriculteurs qui utilisent les composts? Est-ce qu'il y a une demande forte? Est-ce qu'il y a une demande d'une certaine qualité de compost? De quoi ils ont besoin? Y a pas mal d'études là-dessus sur l'évolution du marché des amendements et des fertilisants. Déjà, quand même, les prévisions montrent qu'a priori, il y aura moins d'élevage dans les années à venir. Or, 97% des amendements qu'on utilise aujourd'hui, c'est issu de fumier, etc. Donc, on a quand même besoin d'apporter un complément. Et aussi, avec l'augmentation du prix des engrais, on va chercher de plus en plus des fertilisants naturels. Alors après, attention, le compost n'est pas un engrais. C'est vraiment important d'avoir ça en tête. Là où le digestat va être considéré comme un engrais, le compost est d'abord un amendement. Mais comme les nutriments qui sont présents dans le compost vont être petit à petit dégradés et disponibles pour les plantes, mais ça va se faire sur un temps beaucoup plus long qu'un engrais qui va être un sucre rapide, quoi, qui va être beaucoup plus immédiat comme effet. Et donc nous, ce qu'on se rend compte, c'est que voilà, il y a aussi besoin d'une éducation à faire avec les agriculteurs qui connaissent pas forcément le compost de déchets alimentaires par rapport à du compost de déchets verts. C'est un produit un peu nouveau, avec des valeurs notamment fertilisantes plus importantes que le compost de déchets verts. Et donc là, il y a toute une éducation à faire qui va se faire sur un temps long. Et ça ne va pas être du jour au lendemain, on va avoir remplacé tous les engrais par du compost. Donc voilà, c'est des temps longs, des partenariats qui se font sur la confiance. Et après, nous, ce qu'on fait un peu en complément, on va faire aussi des tests, notamment on travaille avec l'école du Breuil sur des petites parcelles pour comparer notre compost avec du compost de déchets verts. Et avec du terreau, avec plusieurs types de compost pour comprendre quelle est la dynamique de notre compost et sur quoi est-ce qu'il y a des vrais avantages et sur quoi est-ce qu'on peut s'améliorer.
Globalement, il y a plusieurs types de compost et ils sont quand même assez complémentaires. Par exemple, du compost de déchets verts va avoir une valeur amendante plus importante, là où du compost de déchets alimentaires va avoir une valeur fertilisante plus importante. Mais donc, tout va dépendre du type de culture qu'on veut planter et du type de sol initial dont on a déjà parlé. Alors, avant de passer la parole au public, je voulais vous poser une dernière question. Qu'est-ce que vous souhaiteriez dans votre activité du quotidien pour améliorer et aller encore plus loin dans l'amélioration de vos activités et rejoignons le sujet du jour pour ramener de la fertilité dans les sols. Alors, je vais commencer, comme ça vous laisse le temps de réfléchir un tout petit peu. Pour parler de la FOP, donc l'Association française d'agriculture urbaine professionnelle, on est en train de créer un partenariat avec Réseau Compost Citoyen pour, à l'échelle locale, utiliser les biodéchets créés par les citadins, qu'ils soient valorisés dans les sites d'agriculture urbaine et que ensuite les citadins puissent bénéficier des productions agricoles de ces sites d'agriculture urbaine. Et comme ça, on boucle la boucle en ultra-proximité. Donc, c'est quelque chose qui est en cours et que on est en train de réaliser. Donc, c'est un de mes souhaits pour la suite. Après, ça va être un peu rêvé, mais que les politiques s'engagent un peu plus sur ce sujet. La politique est engagée pour le compostage, mais que les collectivités pensent plus à long terme les bienfaits du compostage et pas se dire allez, hop là, je fais la collecte avec des camions et terminé, et mon problème est réglé, je paye et c'est terminé. Pensez au lien social qui est créé aussi avec le compostage. Les maîtres composteurs qui se forment actuellement, eh bien, venez dans les collectivités. Nous, on est trois, on n'était plus que deux. On a très peu de candidatures, mais venez, vous verrez, c'est super. Donc, il y a plein de gens qui se forment et on ne sait pas où ils sont. Voilà, on ne sait pas où ils sont. Donc, en gros. Moi, je dirais que mes souhaits, toute petite parenthèse, je viens de la Tunisie, je suis tunisienne. Et donc, mon souhait, c'est que, en Tunisie, dernièrement, on a vraiment un problème de gestion de biodéchets. Et certaines villes, là où on n'arrive pas à gérer nos biodéchets. Donc, je souhaite qu'on pense à ces solutions, parce qu'on est vraiment loin d'être... De penser à ça, de penser au compostage semi-industriel. Et donc, je souhaite que les politiques, ça change un peu et qu'on arrive à faire ça. Donc. Nous, chez les alchimistes, on a vraiment, on pense que le compostage, la fertilité des sols, ça va aussi beaucoup passer par la sensibilisation sur le sujet des sols, qui est un sujet que personne connaît. Il y a un vrai sujet de plaidoyer. On a écrit un livre là-dessus, on avait fait une petite tribune dans Libération en décembre. Notre objectif, c'est vraiment de sensibiliser le maximum des personnes qui travaillent avec nous sur ce sujet. Et donc, ça va aussi passer par sensibiliser les scolaires sur ces sujets, sensibiliser nos partenaires, nos équipes en interne. Et donc, notamment, ça passe par le déploiement d'outils comme l'atelier des sols vivants ou des outils équivalents un peu fresques des sols qui vont nous permettre de mieux comprendre ces enjeux-là. Et on pense qu'en comprenant mieux ça, on va avoir envie plus de trier, de faire plus de compostage et de favoriser le retour au sol de la matière organique. De mon côté, ce serait plutôt de se dire qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on arrête de modifier les sols pour qu'ils puissent répondre à un usage et qu'on vienne plutôt adapter l'usage au sol en place. Et ça suppose effectivement d'avoir une meilleure connaissance de ces sols qu'on ne connaît pas, qu'on connaît encore moins quand on se situe en milieu urbain. On a la chance, effectivement, on l'a dit ce matin, d'avoir un réseau de mesure de la qualité des sols au niveau national qui a répertorié énormément de caractéristiques sur l'ensemble du territoire français. Pour l'instant, les sols des milieux urbains se sont des taches blanches qui ne sont pas caractérisées, elles sont en train de l'être, mais c'est effectivement difficile d'avoir des sondages sous les pavés, le bitume, etc. Donc profitons effectivement sur des sujets des imperméabilisations, de réhabilitation de friches, etc., de pouvoir faire ces diagnostics de qualité agronomique, pédologique, biologique pour essayer d'amender des bases de données sur la qualité des sols urbains et essayer de montrer aussi que c'est pas parce qu'on est sur des sols situés en ville, on l'a très bien dit ce matin aussi sur la première intervention, qu'on est forcément sur des systèmes qui sont dégradés ou fortement
anthropisés par l'homme. On peut être aussi sur des systèmes qui finalement sont passés un peu à côté des activités humaines et aujourd'hui assurent des fonctions et des bienfaits qui sont tout aussi essentiels pour répondre aux enjeux de la transition écologique. Donc voilà, en synthèse, ce serait juste améliorer notre connaissance sur ces systèmes-là. Merci à toutes les quatre. On va prendre quelques questions. Bonjour, je voulais revenir sur l'impact du plastique dans le digestat, tout simplement. M'excuser, je reprends mes esprits. avec la généralisation donc du tri à la source, on a bien compris que le compostage de proximité ne pourrait pas tout absorber, et même le compostage semi-industriel. Donc la collecte va se mettre en place de façon massive. Et là, ce matin, en arrivant, vous avez pu voir qu'il y avait un joli petit bac en plastique avec un sac en plastique à l'intérieur, et dans lequel on invitait les gens donc, à mettre leurs biodéchets. Que va devenir ce sac plastique ? Voilà, il va être collecté avec des centaines, des milliers d'autres sacs plastiques et envoyé sur une plateforme soit de méthanisation, soit de compostage industriel ou semi-industriel. Mais en tous les cas, en ce qui concerne le compostage industriel, on ne va pas retirer ces sacs plastiques qui sont friables. Et donc, il faut savoir que ces sacs plastiques sont composés au minimum de 20% de vrai plastique, entre 20 et 60% de polymères, qu'on va donc remettre dans la terre avec le compost industriel ou avec le digestat. Voilà, l'usine de méthanisation dont parlait Virginie tout à l'heure à Gennevilliers, ils annoncent pour traiter 50 000 tonnes donc de biodéchets par an, ils vont produire 43 000 tonnes de digestat, donc cet engrais qui va directement aller dans les champs, voilà, et dans lequel il y aura forcément des microparticules de plastique. La faille, je la trouve énorme, qu'on incite donc les habitants à mettre tout simplement leurs biodéchets dans des sacs en plastique, voilà, du polymère. Donc, de toute façon, avec ce système-là, on va avoir du plastique dans les sols. Voilà. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que je me trompe ? Est-ce que je dis des bêtises ? Voilà. Je n'ai pas beaucoup d'éléments. Simplement, l'ANSES, donc c'était en décembre 2022, avait émis un avis défavorable sur ces sacs effectivement compostables. Donc, on a bon espoir que ces sacs compostables un jour disparaissent, effectivement, et qu'on utilise plutôt des papiers, enfin, du papier kraft pour mettre ces déchets alimentaires. Après, c'est un amalgame d'informations que j'ai, mais je sais que le SICTOM, donc, qui gère les déchets, aime bien ces petits... Alors, c'est pas le SICTOM qui va les gérer, mais qui va... Ou c'est Suez ou Veolia qui les... Je confonds un peu tout, Veolia et Suez qui les prend... ça leur permet d'éviter les jus, du coup, hein, ces petits sacs en plastique. Du coup, la poubelle est un peu plus propre, parce que le sac Kraft, voilà, vite fait, c'est tout dégoûtant, puisque les gens vont apporter sur ces points d'apport, donc ils ne vont pas venir avec leur petit panier. Bon, bref, c'est toute une discussion. Il faudrait que les gens vident, en fait, leur bio-seau à chaque fois, que ce soit en vrac, donc c'est plus compliqué à nettoyer. Enfin, il y a tous ces éléments, et bon, c'est un peu compliqué à gérer, mais je suis d'accord avec toi, Emmanuel, ces petits sacs en plastique biodégradables, nous, le compostage de proximité, on n'en veut pas dans nos bacs, c'est proscrit. Alors, peut-être qu'en compostage, non plus, voilà, semi-industriel, c'est pas mieux. Donc, voilà, ben, on va se battre pour qu'ils disparaissent. Et puis, voilà, on va faire donc, il faudrait peut-être intervenir auprès du SICTOM. C'est un plaidoyer qu'il faut qu'on porte, voilà. Oui, bien sûr. Oui, c'est ce... Voilà. Merci. Bonjour. Pour faire le lien avec ce matin, vous disiez notamment dans l'étude potager qu'en fait les composts ils sont impactés quand même en métaux.
même s'ils respectent la norme NFU 44051, il y a quand même un sujet sur les flux, parce que la norme NFU 44-51 demande à ce qu'il y ait des flux qui soient respectés sur un an et sur 10 ans. Donc les agriculteurs, ça, ils maîtrisent bien. Mais en urbain, on voit clairement qu'il y a une surutilisation des composts sur les terres. Et cette surutilisation de compost, elle conduit clairement, les études le montrent, à une recontamination des sols. Donc ça reboucle avec le sujet de ce matin. Et ça, ce sujet-là, j'ai l'impression qu'il n'est pas vraiment mis en balance avec la fertilité. Donc, est-ce qu'il y a des réflexions qui sont engagées sur le fait de cette utilisation raisonnée du compost à l'échelle d'une parcelle pour qu'on rentre dans le bon bénéfice, fertilisation, gestion des biodéchets, mais aussi maîtrise de cet impact de métaux. Et clairement, nous, les études qu'on a réalisées montrent qu'on a des quantités de métaux très importantes et que par rapport aux recommandations de l'ADEME en termes de flux, dans les jardins partagés, ils sont 3, 4, 5 fois au-dessus de ce qui est recommandé. Donc je voulais savoir si c'était des réflexions que vous avez. Merci. Alors au niveau des réflexions, je ne sais pas. Tout ce que je peux dire, alors, c'est que oui, effectivement, on parlait de contamination. Alors ce n'est pas le cas pour tous les composts, mais effectivement, plusieurs études montrent qu'on a quand même un impact sur ces apports, notamment en milieu urbain. La question, elle est là. Elle vient en fait tout simplement de la sensibilisation initiale, quoi. Et l'inverse est vrai aussi. On qualifie souvent les sols en milieu urbain comme des sols pollués et dégradés, et les composts comme un apport miraculeux qui va nous faire revenir de l'activité microbiologique dans nos sols et une fertilité extraordinaire. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense que tout l'enjeu, c'est de caractériser, c'est de qualifier. Et la qualification, elle passe à la fois par ses aspects, ses caractéristiques de fertilité, mais aussi et surtout, notamment quand on est sur des enjeux de production de biomasse à vocation alimentaire, sur effectivement ses caractéristiques sanitaires de ce qu'on peut retrouver dans ces composts qu'on apporte, quoi. Après, au niveau des réflexions, ça, je ne sais pas si dans les collectivités, vous avez des réflexions sur ces sujets-là. Non, il faudrait sûrement. Mais après, on ne parle pas, nous, de surproduction, on reste vraiment sur du local, ça va être son jardin, enfin les gens, c'est leur jardin personnel, jardin partagé, malheureusement on a très peu de surface, enfin le foncier, voilà, en Seine-Saint-Denis c'est dramatique, on n'a pas beaucoup de surface, donc on parle vraiment de petites surfaces. Après voilà, si on utilisait ce compost à des échelles un peu plus grandes, oui, sans doute qu'il faudrait qu'on ait cette réflexion. Après la pollution, elle est là. Alors entre avoir un sol nu sans rien et mettre du compost qui va protéger le sol et qui peut-être, oui, apporte quelques polluants, je ne sais pas quelle est la balance. J'ai pas le sentiment sur le territoire d'Est-Ensemble qu'on met trop de compost dans les jardins. On n'a pas eu cette réflexion. Mais on n'analyse pas tout le temps, hein, on fait quelques analyses. Nous, le compost, il est plutôt de bonne qualité pour le moment, les quelques rares analyses qu'on fait. Mais effectivement, à l'avenir, c'est une réflexion qu'on doit avoir pour améliorer les choses. Mais il y a aussi, pour compléter, une notion de traçabilité. Enfin, je pense que c'est ça aussi, au même titre qu'aujourd'hui, la terre végétale, quand on en apporte, on a beau demander les bordereaux d'analyse, etc. Oui, ils l'ont fait, mais en fait, on n'arrive jamais à s'y procurer et personne n'a l'information. Parce qu'on n'arrive pas à savoir justement d'où vient cette terre végétale. Je pense qu'au niveau du compost, on est soumis, sur certains projets, à cette même problématique. On n'a aucune traçabilité du compost et on ne sait pas finalement d'où il vient, si des analyses ont été réalisées ou non. Donc, réaliser deux fois les mêmes analyses, bah, ça coûte de l'argent, etc. Donc, Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, bonjour. J'avais une question pour les alchimistes, pour Alix. Là, dernièrement, il y a eu un appel pour les entrepreneurs, entrepreneuses de la part des alchimistes. Et sur les candidatures, c'est marqué, en gros, il faut avoir un projet dans une zone qui concerne à peu près 200 000 habitants. Est-ce que c'est une volonté de déploiement des alchimistes de se mettre que sur les zones là où il y a plus de gisements, ou est-ce que vous considérez qu'en gros, le modèle que vous déployez, il n'est pas forcément idéal pour les zones où il n'y a pas assez cette densité d'habitants? Alors, ce n'est pas exactement mon sujet, mais je veux quand même répondre avec les éléments que j'ai. Le modèle des alchimistes, effectivement, ce que je disais, il est complémentaire au compostage in situ, au compostage partagé. On imagine que dans des régions, quand même, dans des zones moins denses, il y aurait a priori moins de compostage, enfin moins de collecte. Nous, on fait de la collecte soit en camion, soit en vélo.
ou à cheval Astin. Bon, ça, c'est un peu anecdotique. Mais... et donc, du coup, effectivement, ça a pas on ne voit pas l'intérêt de déplacer des déchets d'un endroit à un autre sur une zone beaucoup plus étalée. En revanche, ce que je disais tout à l'heure, on va faire des études, des accompagnements de collectivités, notamment pour surtout encourager le compostage chez les agriculteurs dans des zones où on n'a pas envie que chacun, enfin où c'est trop compliqué que chacun ait son composteur chez soi pour les professionnels. Par exemple, on va du coup se rapprocher du réseau Agriculteurs Composteurs de France, qui eux vont permettre du coup de faciliter la collecte et le traitement chez les agriculteurs qui compostent déjà, par exemple, des déchets verts. Merci. Maximilien Kegler, du coup, je suis collègue d'AIFA chez Upcycle sur les sujets de R&D. Moi, je fais un peu juste une réaction sur les deux questions qui ont été posées, puisque c'est des sujets qui me parlent, puisqu'on y a travaillé justement chez Upcycle. Donc, sur le sujet des plastiques compostables, moi, je partage un petit peu votre retour sur le volet, alors pas tant sur le plastique compostable en lui-même, puisqu'il a été plutôt démontré dans les études, en tout cas, c'est l'ADEME qui a pas mal statué là-dessus, que, en gros, le sac compostable a tendance à bien se dégrader. Par contre, il ne sert pas à grand-chose, c'est-à-dire qu'il ne produit pas de carbone dans les sols, il a tendance à être un peu inutile. Donc effectivement, finalement, au final, il redevient une forme de déchet pas très souhaitable, parce que souvent quand même fait à partir de matières issues de la pétrochimie, et donc il se dégage dans l'atmosphère. Donc en fait, c'est un peu comme si on l'avait brûlé. Donc pas terrible, pas terrible. Et le gros problème qu'on a aussi, c'est la confusion en fait, du visuel qu'on a de ce sac plastique avec les autres plastiques. Et ça, je sais qu'il y a d'autres acteurs qui peuvent parfois en témoigner sur certains projets de collecte vis-à-vis des particuliers, où en fait, on se retrouve à avoir cette confusion qu'on n'a pas avec un sac craft du fait de jeter du vrai plastique qui n'est pas du tout compostable et qui génère encore plus de pollution. Et ça, c'est un souci. Et effectivement, sur la méthanisation, tous les acteurs que moi j'ai entendu parler en méthanisation de ce sujet de plastique compostable disent que ces plastiques ne sont pas spécialement méthanisables. Donc ça leur pose des soucis dans leurs installations, dans leurs installations mécaniques, etc. Donc en fait, on a pas mal de soucis là-dessus, c'était juste pour rebondir. Et il y avait une autre question alors j'ai moins compris les sources et les références sur le sujet des pollutions aux métaux lourds dans les sols liées à l'utilisation excessive de compost. Pour moi, historiquement, c'est quelque chose qui se fait, qui a été beaucoup étudié sur les grandes cultures, et notamment sur tous les composts issus de boues d'épuration ou déchets verts, des trucs où on est sur des grosses échelles. Et c'est vrai qu'en tout cas, le retour d'expérience, tout le travail du mémoire d'AIFA, il porte sur... sur ses qualités, innocuité pour l'environnement et l'homme. Et en fait, nous, ce qu'on constate, c'est que quand on relocalise quand même pas mal la valorisation des déchets alimentaires, on obtient des composts qui sont de très bonne qualité sur ces paramètres-là. C'est-à-dire qu'on n'a rien en termes de métaux lourds, en termes de plastique. On est sur un truc... D'accord. Ok. Non, mais moi, je suis curieux d'avoir des références là-dessus. En vrai, c'est plus, c'était juste plus une réaction vis-à-vis du fait que. Ah, moi, je l'ai pas pris trop comme ça non plus, mais. On vous laissera discuter de ça par ailleurs. Je crois qu'il y avait une question dans Merci. Le chat. Pardon, Maxime, tu avais fini ? Oui, j'ai une question de Paul Lallemand qui demande en fait si le fait d'ajouter des produits carnés, ça ne rend pas le compost trop riche et si les normes de compostage sont les mêmes pour des composts où il y a eu des produits carnés et où c'est 100% du végétal. Quand on dit aux habitants du territoire, vous pouvez mettre la viande et le poisson, on ne parle pas de 50 kilos de viande. Enfin voilà, c'est le petit reste de gras, c'est très très faible au final. C'est l'arête de poisson, c'est voilà les petites. Donc vraiment, c'est anecdotique. Et après, je n'ai pas l'information sur les conséquences. Sur les. Moi, ce que je peux juste dire, c'est que, enfin, c'est ce que je disais par rapport aux différences entre amendement et engrais. Donc en fait, pour être considéré comme un amendement et être rentré dans la norme NFU 44-51,
il faut avoir en gros que l'azote, phosphore et potassium soient inférieurs à 3% et que leur somme soit inférieure à 7%. Donc sur nos composts, nous, sur notre compost de déchets alimentaires où il y a quand même pas mal de viande, enfin, etc., on est largement en dessous. Ah pardon. Désolée. Oui, donc non, ce que je disais, c'est que du coup, même, par rapport, on ne devient pas du tout un engrais, même si on a plus d'azote que du compost de déchets verts. Je compléterai même par dire que en fait, c'est à partir du moment où on fait bien sa recette de compostage pour que le compostage se passe, ça ne peut pas arriver en fait. C'est-à-dire que si on rajoute assez de structurants et de matière organique, voilà. Mais si on faisait mal son compost avec de la viande et des poissons, on a entre 5 et 9% d'azote en général dans des composés des déchets qui vont être de type poisson et viande. Là où sur du fruit et légumes, on est à 1, 2% grand max, 3% en moyenne sur du déchet alimentaire très classique. Bah, effectivement, si on fait mal son compostage, c'est pour ça qu'on l'a rappelé, il faut s'occuper de son compost, quand on le fait, et s'en occuper, ça veut dire aussi faire une bonne recette. Donc, on partage tout à fait le retour que tu faisais. C'est bon. Moi, je voulais revenir sur la question de la structuration du marché qui va s'ouvrir au 1er janvier 2024 avec la loi sur le compostage obligatoire. En fait, parmi les personnes présentes à la table ronde, enfin les entreprises représentées, on a différents types de procédés, en fait. Hein. On a le compostage, on va dire, mécanique, qui est pratiqué dans les jardins partagés, les collectivités, etc., avec tout le soutien associatif, bénévole, en fait, hein, qui est le lien social qui fonctionne, etc. Tout à l'heure, Virginie a dit qu'il y avait un certain optimisme par rapport à, comment dire, au compostage obligatoire en 2024. Moi, je suis urbaniste, je considère qu'il y a une carence en foncier. Voilà. Donc ça, c'est le premier type de compostage. À l'autre extrémité de la chaîne, il y a le compostage tel que le pratiquent les alchimistes, c'est-à-dire à l'état industriel, avec tous les process, les questions de taille critique, etc., qui font que ça va être rentable à partir d'un certain seuil, etc., de distance, de quantité, etc. Et puis entre les deux, il y a le compostage électromécanique tel qu'il a été initié par Upcycle, avec des volumes qui vont de, enfin, je ne connais pas par cœur, mais on va dire 250 à 700 litres, un truc comme ça, hein, enfin, je le dis au hasard, et qui pourrait permettre, en fait, de développer un maillage à l'échelle de quartier, de ville, avec peut-être le souci, en fait, c'est ma question, du suivi technique, en fait, hein, c'est-à-dire est-ce que on peut laisser en autogestion ce type d'équipement? Des composteurs de quartier, c'est ça, vous voulez dire le gérer? Oui, mais bah, électromécanique. Ah, électromécanique. Est-ce qu'on pourrait imaginer? Est-ce que ça? Parce que il me semble que ça a été fait à titre d'essai, enfin que je sais plus si les alchimistes ou Upcycle qui avaient commencer à implanter, à proposer à des collectivités d'implanter des composteurs électromécaniques de quartier. Je ne sais pas ce que c'est devenu, cette expérimentation. En tout cas, dès qu'on laisse ouvert un... Enfin, vous voyez le tri déjà des emballages, comment ça se passe. Voilà, c'est n'importe quoi. Donc là, vous imaginez les déchets alimentaires. Enfin, c'est très difficile. En tout cas, actuellement, c'est difficile de se dire que les gens vont faire ça correctement. Donc actuellement, non, on ne peut pas laisser les gens libres de faire ce qu'ils veulent. Et je corrige juste une chose. C'est pas ma question. En fait, ma question, c'est comme ça a été expérimenté, je voulais savoir ce qu'avait donné l'expérience. Voilà. En pure autonomie, en utilisation en pure autonomie du composteur, ça n'a pas été le cas. En tout cas, ce n'est pas nous, a priori. Et nous, ce qu'on constate et ce qu'on partage de la plupart des retours, c'est quand même qu'il y a un peu de technicité à faire du compost. En tout cas, il faut s'en occuper correctement. Et nous, on a plutôt placé un de nos enjeux chez Upcycle dans le fait de rendre autonomes les clients, les gens qui travaillent avec nous, dans le fait de faire du bon compost, de le faire correctement, de réussir à trouver leur source de déchets verts, de bien faire leurs recettes, etc.
et l'enjeu principal, il va être là, sur ce qui va être à destination plutôt d'habitation, de particuliers, etc. Généralement, est plutôt géré par des structures qui vont faire de l'insertion, de l'accompagnement dans des quartiers, dans des zones de pied d'immeuble, qui font déjà, par ailleurs, de la gestion d'espaces verts, de la gestion de déchets, tout un tas d'activités. Donc, je pense à des gens qui font aussi partie du réseau AFOP, comme les régies de quartier, etc. Donc, on a besoin de ces acteurs-là, en fait. On a besoin d'acteurs de terrain qualifiés. Enfin, vous aviez 5 maîtres composteurs, je crois, sur EstEnsemble, en plus des 3. Enfin, donc, il y a besoin de cette animation, en tout cas, on pense, même si je pense que tout le monde peut apprendre à faire du compost, hein, a priori, et je pense que c'est une éducation qui va se faire, mais c'est un peu comme tous les apprentissages qu'on fait au niveau de la sobriété et de vivre autrement. On a besoin de temps pour que ça se fasse. Et aujourd'hui, la pure autonomie, je pense que c'est un peu compliqué à avoir directement. Nous, je sais que chez les alchimistes, effectivement, on avait pendant un temps les composteurs électromécaniques. Je ne sais pas s'ils étaient en pure autonomie, je pense que j'étais pas là, enfin, ça m'étonnerait. Mais surtout, nous, le retour qu'on a eu, c'était qu'au début, on pensait que ça allait rendre faire du compost en aussi peu de semaines. Et finalement, en fait, en sortant du composteur électromécanique, mais ce que disait Aïfa, c'est que c'est pas un compost, enfin, c'est un compost pré-hygiénisé. Et donc, il y a aussi, après, de la maintenance, etc., qui doit être réalisée par des équipes sur place. Quoi. Ça ne sort pas comme ça, utilisable directement. Oui, la question de l'enrichissement, en fait. Hein, enfin, c'est ça. De le rendre vivant, en fait, la question de l'enrichissement. C'est-à-dire qu'il est, du fait qu'il est hygiénisé, il a une certaine inertie, en fait. Enfin, je ne sais pas le dire en termes techniques, mais non, c'est pas ça. La maintenance, non, c'est quoi? Quand hygiène, ça monte en température, c'est au début, ça va monter à donc 70 degrés au mieux, mais après ça redescend, et là il y a d'autres micro-organismes qui rentrent en jeu. En fait, au début, à 70 degrés, il n'y a pas de vers, il n'y a rien, c'est des champignons, c'est des bactéries, mais il n'y a pas de vie, enfin, à 70 degrés, vous imaginez, c'est énorme. Donc après ça redescend en température, et là il y a tout un travail, c'est d'autres organismes qui prennent le relais, c'est les vers, les collemboles, voilà, tous ces. Toutes ces cloportes, voilà, on voit souvent dans le compost, qui prennent le relais. Et je me permets juste une petite réflexion. On adorerait que le compostage soit obligatoire au 1er janvier 2024, mais le compostage ne sera pas obligatoire au 1er janvier 2024. C'est le tri à la source des biodéchets qui est obligatoire. Et voilà. Mais on adorerait que le compost, et on adore les médias, les grands médias qui annoncent que le compostage va être obligatoire. C'est magnifique. Je sais pas au niveau du timing, Marie, combien de. J'ai deux réactions. Je n'entends pas. Je ne suis pas du tout sûr que les. Certes, ces sacs dits compostables, biodégradables, disparaissent complètement. Donc, que ce soit dans la soupe organique qui est produite pour faire du compost ou que ce soit dans le digesta. On ne les voit plus. Mais vous me dites que ça brûle, j'en doute beaucoup. Ça se dissout, ça fait des microparticules de plastique, tout simplement, comme ce qui se passe dans l'océan. Donc, on sait que les plantes adorent le plastique, ces microparticules de plastique. À Catane, en Italie, ils ont trouvé des carottes et des pommes avec beaucoup de plastique. Quoi. Voilà, comme les poissons, on sait qu'on bouffe des poissons en plastique. D'information ici, donc ça me semble vraiment très, très important et on ne peut pas, de façon aussi légère à mon avis, ce sont des sacs biodégradables, il y a quand même 20 ou 30%, c'est l'ADEME qui le dit elle-même dans la fiche numéro 8 qu'on peut trouver sur le réseau Compost Citoyen, il y a 20 ou 30% de vrais polymères. Qu'est-ce qu'ils deviennent ces polymères quoi. Voilà, c'est tout. Ça m'étonnerait qu'il disparaisse. Je crois qu'il y avait une dernière question. Tu veux répondre ? Je suis complètement d'accord. C'est vrai, quand je dis que ça brûle, c'est peut-être un peu résumé. Et vous avez raison de corriger. Surtout que ça a été mené sur certains types de sacs biodégradables très spécifiques, avec certains types de matières. Enfin, je ne saurais même plus les citer exactement. Et cette question que vous posez justement derrière, qui va être celle de l'écotoxicité, c'est un sujet qui est effectivement extrêmement mal évalué. Sur les vrais plastiques et sur la plupart. On parlait de la liste REACH tout à l'heure, là, qui regarde les polluants dans le sol, qui existe aussi sur plein d'autres types de matières. On s'est intéressé à cette question pour savoir si on pouvait mettre des plastiques compostables dans nos composteurs mécaniques et électromécaniques. Et ce qu'on a trouvé en questionnant même des chercheurs qui travaillent sur ces questions-là, c'est qu'en fait, généralement, on ne sait pas très bien dans pas mal de cas ce qui est mis dans les liants, dans les colorants qu'on utilise pour ces plastiques, et on ne sait pas évaluer correctement l'impact écosystémique de ces choses-là. Et on a essayé de monter des tests, c'était un mémoire qu'on avait fait
au cours de l'année 2021 sur ce sujet-là, pour essayer d'avoir des tests sur des daphnies en eau douce, pour voir l'interaction qu'il pouvait y avoir entre une matière plastique et ces organismes-là. Et c'est très difficile de dégager des choses concrètes là-dessus. Et effectivement, le principe de précaution voudrait presque finalement qu'on essaye d'éviter ce genre de choses-là, d'autant que les industriels communiquent très mal sur ce qui est mis dans ces matières. Donc c'est un enjeu, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, quoi. Donc, voilà. Rattraper un peu la légèreté de mon propos. J'avais une dernière question. On a beaucoup parlé de compostage, au final, ici. Et en fait, il y a aussi tout ce qui est... Enfin, j'ai entendu le compostage de surface, compostage à froid, etc., qui est au final l'effet de que ce soit du déchet alimentaire ou du déchet vert, de mettre directement sur le sol, sur les parcelles. Là, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de compostage. Et je reviens un peu à la question qui est la fertilité des sols. Est-ce que finalement, mettre ces biodéchets, en fait, sans les composter directement sur une parcelle, c'est pas plus bénéfique en termes de fertilité du sol? Alors, ça a un intérêt dans tous les cas, parce que c'est ce qu'on disait, je ne sais plus dans quelle présentation il y a eu les mots qui ont été prononcés, c'était donner le gîte et le couvert. Donc, à partir du moment où effectivement, il y a de toute façon de la matière qui peut se décomposer, on va avoir... Alors, si on est en milieu urbain, il ne faut effectivement pas qu'il y ait des barrières infranchissables pour les organismes qui vivent à la surface du sol. Mais en tout cas, on a bon espoir effectivement qu'il y ait une activité biologique qui se développe et donc soit présente sur les premiers centimètres de sol. Après, je vous avoue, je n'aurais pas assez de recul sur cette question-là pertinemment en disant est-ce que ça améliore considérablement, oui ou non, la fertilité du sol de si on compose directement, enfin, si on dégrade directement sur le sol ou si on passe par un processus de compostage. Moi, je reviendrai juste tout simplement à ce qui a été dit précédemment, c'est qu'il faut aussi faire attention, même quand on met ces déchets organiques directement à la surface du sol, c'est pourquoi, qu'est-ce qu'on veut en faire? Est-ce qu'on veut juste effectivement les dégrader ou est-ce qu'on veut amender notre sol? Et si on veut amender notre sol, attention à la surfertilisation qui, dans tous les cas, il y a un moment, on atteint un optimal et si on retombe de l'autre côté de la courbe, on n'est plus bon parce qu'effectivement, on va bloquer énormément de processus qui se passeraient dans un sol à l'équilibre, quoi. Très, très rapidement. Rapidement, c'est l'acceptation sociale aussi en milieu urbain, dans la copropriété, mettre les très difficile dans un jardin partagé, oui, ça pourrait se faire, mais déjà des gens le composent dans la boîte, tout ça, il va y avoir des rats, des moucherons, des odeurs, tout ça, donc voilà, épandre, c'est très difficile. Je pense qu'on peut les applaudir encore, merci à vous.